are still very much connected. Traumas and the landscapes, the nature. Really, really, really grateful. Je me sens vraiment reconnaissant, vraiment chanceux et fier de représenter cette partie du monde. Oui, je me sens vraiment très chanceux. C'est comme si j'avais une sorte de responsabilité maintenant. Donc oui, c'est une bénédiction. J'étais encore en train de mixer le son du film et mon producteur allemand était dans le studio. Il est venu me voir et il a dit « Félicitations ». Je lui ai répondu « Mais pourquoi ?» Vous savez, les sélections pour Cannes étaient déjà tombées, donc... Je voulais sauter de joie, vous savez, comme un fou, mais nous devions continuer à travailler. Ok, maintenant nous allons aller à Cannes, donc nous devons terminer ce film dans les temps. Mais je ne pouvais rien faire, j'ai dû m'asseoir dans le studio du son, sans lumière, et regarder le film, et me concentrer sur le travail. Mon film raconte une histoire de perte vécue par un enfant. Il parle de la perte de sa famille, de sa maison. Peu importe les circonstances qui amènent à cela. Donc, d'une certaine façon, toute personne qui a connu ça durant son enfance pourra s'identifier. C'était une manière pour moi de parler de ma peine, parce que j'ai quitté mon pays et ma famille quand j'avais 10 ans. J'ai laissé derrière moi une enfance très heureuse et très protégée. J'ai été envoyé aux États-Unis, le pays de tous les rêves pour un Éthiopien à cette époque, et peut-être encore maintenant, mais pour moi, c'était comme un cauchemar. Parce que je ne voulais pas laisser ma famille et ma maison. Tout le monde disait « Oh, tu as trop de chance, tu vas en Amérique ». Mais pour moi, je perdais mon paradis. Bien sûr, comme pour beaucoup de premiers films, il a fallu se battre pour essayer de boucler les financements. D'autant que c'est une histoire avec des enfants, des animaux, qui se passe en Afrique, en Éthiopie, qui n'est pas un pays très connu. Donc ça a été difficile.